Bien, nous allons continuer cette partie réservée au jeu donc avec Madame Sophie Massin, qui est professeure d'économie à l'Université de Lille et qui est spécialiste alors dans l'économie des addictions, c'est cela, de la santé, de la politique des drogues également et de l'attitude face au risque, ce qui explique peut-être votre question également sur la prise de risque, sans doute tout à l'heure. Et donc vous allez nous parler donc des indicateurs économiques d'aide au pilotage des politiques publiques avec les jeux de hasard et d'argent, bien sûr, comme exemple. Je vous remercie. Merci beaucoup. Déjà, merci pour l'invitation. Merci aussi pour la présentation d'avant que j'ai trouvée très intéressante. Donc, effectivement, je travaille sur les approches économiques des addictions, disons. Et en particulier, donc, un volet de ma recherche concerne les jeux de hasard et d'argent. Alors, donc, ce que je vais présenter, en fait, c'est une recherche qui a commencé vers 2006-2007 et qui a suivi un ensemble d'étapes avec quelques contrats de recherche à ce sujet. Et on est en train de publier des résultats à peu près définitifs, du coup, sur deux thèmes principaux que je vais présenter. Donc voilà, ça fait une période de temps relativement longue. Enfin, voilà, il y a eu plusieurs étapes, en tout cas, dans le développement de ce projet, avec différents partenaires. Et il y a encore plein de choses à faire, hein, mais on est à une première étape, puisqu'on arrive à l'étape de publication pour au moins deux choses. Alors, donc de quoi est-ce que je vais parler? Donc, je vais présenter les grandes étapes de ce processus-là, qui dure depuis un certain nombre d'années. Quelques grands résultats, je ne vais pas détailler trop la méthodologie parce que ce serait un petit peu long et ce n'est peut-être pas l'objet de ces journées. Et puis, pour finir, j'ai quelques réflexions peut-être sur... J'ai cru comprendre que un des objectifs de ces journées, c'était d'échanger sur les bonnes pratiques. Donc voilà, j'ai réfléchi à quelques éléments qui me semblaient importants, essentiellement pour ouvrir la discussion. Alors, parmi les grandes étapes des recherches auxquelles j'ai participé... Le point de départ, on en a parlé il y a un instant, c'était le contexte d'ouverture du secteur des jeux en ligne à la concurrence, donc qui a pris finalement effet en 2010, mais voilà, les pouvoirs publics y ont réfléchi quelques années auparavant. Et dans ce contexte, a notamment été commandée une expertise collective auprès de l'INSERM, qui a eu lieu en 2007-2008, et à laquelle j'ai participé. Alors, j'étais en début de thèse à ce moment-là, et donc qui a donné lieu à la publication de cet ouvrage, enfin, sous forme d'un rapport, « Jeux de hasard et d'argent, contexte et addiction », donc qui avait été demandé, c'est indiqué dans le petit paragraphe du dessus, qui avait été commandité par la Direction générale de la Santé, avec cette idée que, on envisage d'ouvrir les jeux en ligne à la concurrence, est-ce qu'il y a des risques? Enfin, ce serait bien d'en savoir un peu plus sur ce qui avait été appelé le jeu pathologique. Est-ce que ça concerne beaucoup de monde en France? Est-ce qu'il y a un risque que ça se développe si on ouvre ce secteur-là à la concurrence? Enfin, voilà, faire un état des lieux et essayer d'anticiper un petit peu quels pouvaient être les enjeux d'une ouverture à la concurrence de ce secteur. Alors, d'un point de vue plus personnel et de chercheur, le fait de participer à cette expertise collective. Alors, moi, je commençais tout juste ma carrière de chercheuse, donc c'était vraiment intéressant à suivre. Et ce qui m'avait marqué, alors, c'était d'abord le fait qu'il y avait eu pas mal de discussions sur la place à accorder à la dimension addictive des comportements de jeu au sein de ce rapport, notamment parce que je pense que c'était
ce qui avait motivé la demande de la Direction générale de la santé, le fait que les jeux peuvent être addictifs, mais parmi les experts qui ont fait partie de cette expertise collective, certains ne travaillaient pas sur les addictions et avaient des approches un peu plus générales sur les comportements de jeu, exactement comme la recherche qui vient d'être présentée. Donc ça a fait l'objet un peu de débat, quel était, est-ce qu'il faut centrer les analyses sur la dimension addictive du jeu ou est-ce qu'il faut avoir une approche un petit peu plus générale. Voilà, donc ça a fait l'objet de débats. D'autres débats qui ont eu lieu, ça portait aussi sur alors, la place respective de chaque approche disciplinaire. Voilà, il y avait des historiens, des neurobiologistes, moi j'étais économiste, enfin, voilà, il y avait un peu de tout qui était représenté. Et à un moment, on s'est posé la question, tout simplement, parce que chacun écrivait un chapitre, dans quel ordre on va mettre les chapitres. Donc je me souviens qu'il y a eu un tour de table pour discuter de dans quel ordre on va mettre les chapitres. Bon, je ne sais pas vraiment ce qui a emporté le morceau, finalement. Mais il y avait une opposition assez nette entre les approches aux sciences sociales et les approches de sciences plus dures. Sur ce sujet-là, c'était assez net. Et puis après, même au sein de certaines disciplines, en neurobiologie notamment, il y avait plusieurs représentants. Il y avait là aussi en fait, des débats sur les théories des addictions et comment elles peuvent s'appliquer au jeu, avec des approches assez divergentes. Enfin, voilà, ils n'étaient pas d'accord entre eux sur les mécanismes au sein du cerveau qui peuvent conduire à une addiction. Et est-ce qu'on peut, je me souviens que l'une des questions qui avait émergé à l'époque, c'était est-ce qu'on peut être addict au jeu sans être addict à autre chose, puisqu'on sait que les joueurs sont très fréquemment consommateurs d'autres biens addictifs, ils sont souvent fumeurs, ils consomment souvent de l'alcool. Et donc une question qui se posait, c'est est-ce qu'on peut devenir joueur pathologique sans avoir déjà modifié son circuit de la récompense en consommant des produits? Est-ce qu'on peut avoir une addiction sans produit sans avoir eu une addiction avec produit avant? Voilà, alors, je ne sais pas où en sont les débats aujourd'hui, mais je sais qu'à l'époque ça avait suscité pas mal de questions. Donc voilà pour un petit retour sur la manière dont s'est passée cette expertise collective, donc, qui était... le but était ici pas vraiment de produire de la connaissance, mais plus de faire une synthèse de ce qui est des connaissances existantes. Donc, si on poursuit de façon chronologique, donc la loi qui avait suscité cette expertise collective a finalement été adoptée en 2010. Et alors, ça a donné lieu à la création, enfin une restructuration un peu du secteur, et ça a notamment donné lieu à la création de l'Observatoire des Jeux en 2011. Et donc je l'ai inséré ici parce que ça me concernait particulièrement, puisque c'est eux qui m'ont fourni alors deux contrats sur les trois que j'ai mentionnés ici. Donc un premier contrat en 2012, pratiquement peu de temps après avoir été créé. Ensuite, j'ai eu un contrat avec la Française des Jeux, mais qui s'était fait un petit peu en accord avec l'Observatoire des Jeux. L'Observatoire des Jeux avait du mal à avoir des financements pour... financer des études, et c'était pour prolonger la première qui avait été faite. La Française des Jeux, de son côté, avait envie de faire une étude, enfin voilà, avait de l'argent pour en faire, et il y avait un bureau de recherche qui cherchait des chercheurs pour le faire. Et donc voilà, ça s'est fait un petit peu en accord avec l'Observatoire des Jeux, le fait que ce soit la Française des Jeux qui finance ce deuxième contrat, avec la nouvelle orientation, c'était que dans le premier contrat, on avait une approche globale du secteur, l'ensemble du secteur des jeux. Et dans le deuxième contrat, l'idée était de regarder par gamme de jeux, donc d'aller à un niveau d'analyse un peu plus fin et de distinguer les analyses qu'on faisait par gamme de jeux. Et puis un troisième contrat, donc c'est celui-là qui est formellement fini, mais dont les publications sont en train d'être finalisées. Qui est la poursuite de tout ce qui a été fait jusqu'ici avec des résultats un peu plus solides et que je vais vous présenter. Je ne l'ai pas précisé après, donc je vais peut-être le faire tout de suite. Formellement, donc, en fait, le premier contrat de 2012, ça a permis de me recruter, moi, comme postdoc, puisque je venais de finir ma thèse. Le contrat de la FDJ, je l'ai fait en étant maître de conférence.
j'ai recruté personne à ce moment-là. Et le troisième contrat, ça m'a permis de recruter un postdoc. Et ça fait partie des éléments importants, je pense, parce que, en tout cas, moi, ça m'a permis vraiment d'être efficace et d'avancer. Donc, c'était un point de... Enfin, ça fait partie des points que je mentionnerai en fin de présentation. Alors, quel est l'objectif de la demande ? Donc, je regroupe, en fait, les trois contrats, puisqu'ils sont vraiment l'un dans la suite de l'autre, avec l'idée de progresser un peu par étape à chaque fois. L'objectif est de produire des indicateurs économiques permettant d'aider au pilotage des politiques publiques. Bon, voilà, on a un secteur en évolution. Les pouvoirs publics ont envie un peu de savoir quoi faire et ils ont besoin d'indicateurs pour guider ces politiques publiques-là. Donc, ils demandent, en l'occurrence à des économistes, d'essayer de leur fournir des indicateurs qui pourraient les aider. Je pense que de façon assez explicite, la demande qui a été adressée au moins au départ s'inspirait de ce qui était fait pour les drogues. Alors j'entends drogue au sens large, notamment tabac et alcool, mesure du coût social et coût-bénéfice des drogues. Notamment parce que donc, le premier financement venait de l'Observatoire des Jeux, qui était dirigé par Jean-Michel Coste, qui lui-même venait de l'Observatoire de l'OFDT, Observatoire des drogues et toxicomanie à l'époque. Donc voilà, c'était des méthodes qu'il connaissait bien et il avait l'idée de les transposer, enfin de les appliquer au secteur des jeux. Alors, ça a posé un certain nombre de difficultés, notamment parce que les méthodes, même si on s'en rapproche, hein, on fait des choses relativement proches, mais elles ne sont pas directement transposables. Donc on n'a pas pu se dire, bon bah ok, on sait faire pas trop mal pour le tabac et l'alcool. On va reprendre exactement la même chose et on va le faire pour les jeux. Ça ne marche pas exactement comme ça. Il y a eu des ajustements à faire, ce qui explique que ça a pris un peu de temps. Et puis la deuxième difficulté, c'est que pour appliquer ces méthodes, de toute façon, il faut des données. Et que dans le secteur des drogues et du tabac et de l'alcool en particulier, on a pas mal de données depuis un certain nombre d'années qui se sont accumulées, donc on a même un peu de recul. Pour les jeux, on n'avait rien. À l'époque, vraiment, où ça a commencé, la première enquête épidémiologique pour mesurer le jeu problématique, c'est 2014. Donc, voilà, au moment du premier contrat, on n'avait absolument pas de données. Voilà, d'où l'intérêt de procéder par étapes et alors, de prendre son temps. Du point de vue du chercheur, ça a une certaine vertu de se donner du temps pour faire les choses bien, de réfléchir, de trouver la bonne méthode. Les bonnes données, etc. Après, on aurait certainement pu aller plus vite si on avait eu plus de financement plus vite. Je vais pas... Voilà, ça faisait partie aussi de ce qui a pris du temps, c'était de trouver les financements pour le faire. Donc voilà, globalement, pour la partie un peu administrative, enfin en tout cas ce qui a permis de conduire ces études. Et donc quelques grands résultats sur deux chantiers, enfin deux grandes questions qui nous ont été posées. Alors la première question, la mesure du bien-être social, c'était vraiment la question principale dès le début. La question des enjeux de l'emploi est venue un peu plus tard, plutôt avec le troisième contrat comme question un peu annexe, mais qui finalement a aussi son intérêt. Et donc voilà, dans les deux cas, on n'avait à peu près rien qui se faisait en France. Vraiment, la revue de littérature était très vite faite. Donc on s'est inspiré essentiellement, alors ce qui se faisait un peu dans d'autres secteurs, comme je viens de le dire, ce qui se faisait dans le secteur des drogues, mais aussi ce qui se faisait à l'étranger. Donc on est allé voir, il n'y a pas énormément de choses hein, sur les jeux, de manière générale, je pense, et en économie des jeux, il n'y a en tout cas pas grand-chose. Mais voilà, je vais vous présenter quelques références sur lesquels on s'est appuyé. Donc pour la mesure du bien-être social, voilà, encore une fois, on s'est appuyé sur ce qui se faisait dans le domaine des drogues. Alors je vous cite un article qui commence à être un peu ancien, de 2011, mais je sais que l'OFDT a commandé une mise à jour au moins pour le coût social. Je ne sais pas si ça concerne aussi les bénéfices. Donc voilà, l'idée... la question qu'on se pose, c'est la consommation de drogue, de tabac, d'alcool et de drogue illicite, est-elle bénéfique pour la France ? On entend ici bénéfique au sens où est-ce que, en termes de bien-être, d'accord ? C'est du bénéfique au sens bien-être. Et donc la méthode consiste à mettre en balance des coûts et des bénéfices.
Les bénéfices, c'est essentiellement des bénéfices monétaires, pour le coup, des taxes, les revenus des producteurs, éventuellement du bien-être qu'on peut retirer de la consommation. Si on consomme, c'est qu'à un moment, on retire un certain bien-être. Et puis, du côté des coûts, c'est toutes les maladies et tous les dommages qui peuvent être associés à ce type de consommation. Donc bon, voilà, selon cette étude de COP et Fenoglio de 2011, l'effet pour le tabac, l'alcool et les drogues est négatif. Globalement, le fait que ces activités existent conduit plutôt à une perte de bien-être. Voilà, j'entre pas dans le détail de la méthodologie qui peut évidemment se discuter. C'est plus pour vous présenter le type de questions qu'on se pose, et c'est cette question-là qu'on nous posait aussi pour les jeux. Alors, la principale difficulté pour appliquer ce cadre au jeu, c'est que la nature des dommages est assez différente. Notamment, voilà, si vous fumez ou si vous consommez de l'alcool, le principal risque, le principal coût qui va être pris en compte dans les études, ça va être un coût de maladie, un coût associé au fait d'avoir un cancer, par exemple. Et ça, la littérature économique le documente très bien. Il y a des coûts monétaires associés à des maladies. Donc on peut s'appuyer sur cette littérature-là pour imputer des valeurs monétaires aux maladies. Dans le domaine des jeux, c'est beaucoup moins des maladies de ce genre-là. C'est beaucoup plus des dommages qu'on va appeler coûts intangibles, c'est-à-dire pour lesquels il est assez difficile d'attribuer une valeur monétaire. Ça va être une perte de qualité de vie, ça va être un divorce, une séparation, une dépression, une perte d'emploi, des choses de cette nature-là. Pour lesquelles on peut aussi développer des méthodologies pour appliquer des coûts monétaires, mais c'est moins facilement disponible que pour les maladies. Donc ça posait un premier problème. J'y reviendrai un petit peu plus tard, après vous avoir présenté nos résultats. Donc l'étape préalable, en fait, c'était essentiellement ce que j'ai fait pendant le premier contrat. C'était un recensement des données et méthodes disponibles, vraiment faire un tour d'horizon de la manière dont on peut s'y prendre pour faire ce genre d'études-là dans le domaine des jeux. Et puis, en s'appuyant là-dessus, on a proposé différents indicateurs que je vais vous présenter juste après. Comme principale source d'inspiration au moment du recensement des données, ce qu'on trouve, c'est essentiellement des études anglo-saxonnes, pas mal de choses en Australie, des choses aux États-Unis, aussi au Canada. C'est les principaux pays qui ont publié sur le sujet. Et sur les jeux, il y a notamment un rapport de la Productivity Commission de 1999 qui fait vraiment référence, où il y a eu vraiment un gros effort de fait. Je pense qu'ils avaient eu un gros financement. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont participé. Ils ont fait quelque chose d'assez solide, en tout cas, qui fait référence depuis. Donc on s'appuie en partie sur leur méthode, notamment pour une estimation que je vais vous présenter. Pour entrer un tout petit peu plus dans le détail, même si je vais rester assez superficiel sur la méthode, mais pour que vous compreniez bien ce qu'on essaye de faire, c'est proposer une mesure complète du bien-être qui agrège tous les coûts et bénéfices induits par la pratique du jeu. Du côté des bénéfices, c'est les mêmes que ceux que j'ai mentionnés pour les drogues tout à l'heure. On a les taxes qui sont prélevés par l'État, je commence par ce qui est le plus facile à obtenir, c'est des données administratives. Là, on a juste à trouver la source, mais elles sont disponibles même sur Internet. On a des montants en euros qui sont très faciles à obtenir. On y ajoute les profits. C'est pas exactement les profits parce qu'il y a un petit ajustement à faire si on veut être rigoureux d'un point de vue économique. En tout cas, on peut s'appuyer là aussi sur des données administratives, et en faisant un petit ajustement numérique, on peut relativement facilement avoir ces données-là en euros. Et puis reste ce qui est le plus compliqué, ce qui sont les mesures de bien-être à proprement parler des joueurs, des consommateurs.
Donc, pour mesurer le bien-être d'une consommation de manière générale, les économistes ont un concept qui s'appelle le surplus, qu'ils savent assez bien mettre en œuvre. Alors, il faut quelques données, notamment sur les dépenses en jeu, mais on sait relativement bien faire. La difficulté, c'est comment intégrer dans cette... normalement, quand vous consommez un bien, ça vous importe un bien-être strictement positif. Vous le consommez parce que vous en êtes satisfait, vous en tirez une utilité. Et dans le cas des addictions, se pose la question de savoir... souvent, on consomme trop. On va au-delà de ce qu'on considère nous-mêmes comme étant bien pour nous. Donc, une manière de faire... en tout cas, ce qu'il faut essayer d'intégrer dans le calcul, c'est cette partie un peu négative du bien-être. Il y aurait, contrairement à une consommation classique, si je suis addict, si je suis joueur pathologique, probablement je consomme plus que ce que je devrais et j'en retire un bien-être négatif. Donc, qui correspond à ce que ma consommation me entraîne comme dommage pour moi si je perds mon emploi et que je suis obligé de divorcer. Donc voilà, c'est cette estimation, c'est ça que j'appelle l'estimation des coûts, c'est les dommages induits par le jeu, une perte de bien-être induite par le jeu. Et c'est ça qui est le plus compliqué dans notre étude, en tout cas, enfin, et de manière générale, ce qui est dans la littérature existante, c'est ce qui pose le plus de problèmes. Et donc avant 2014, de toute façon, on ne pouvait pas en faire grand-chose, puisqu'on n'avait même pas d'enquête de prévalence de jeux problématiques. On ne savait pas combien il y avait de joueurs problématiques en France. On ne savait pas qui ils étaient. Et donc, voilà, les premières analyses qu'on a pu faire, c'est à partir de cette enquête de 2014. Et donc, dans un premier temps, on a fait quelque chose de très... je vous ai parlé tout à l'heure de... on a proposé des indicateurs successifs. On a essayé d'améliorer un peu la méthode au fur et à mesure des contrats. Et donc ça, c'est une première approche proposée à partir du moment où on avait ces mesures de jeux problématiques grâce à l'enquête de 2014. Donc là, ce qu'on a fait, c'est assez simple, finalement. On a pris l'ensemble des bénéfices que j'ai mentionnés juste avant, qui sont assez faciles à calculer. On a des montants en euros. Et on les a rapportés aux effectifs de joueurs problématiques et de joueurs excessifs par catégorie de jeux, pour obtenir un classement un peu des jeux, des types de jeux, des gammes de jeux, qui sont, voilà, qui, en termes de rapport bénéfices, et alors qui sont, là on n'a pas vraiment des coûts exprimés en euros, mais en supposant que pour un joueur problématique donné, ça correspondrait à un certain coût, et que même chose pour un joueur excessif. Donc problématique et excessif, c'est deux catégories de niveau de problème de jeu. Problématique, c'est le premier niveau ici, et excessif, c'est supérieur. Les joueurs excessifs ici ont plus de problèmes que les joueurs problématiques. Et donc voilà, ça nous permettait en tout cas d'avoir une sorte de classement des gammes de jeux qui permettait de dire que... ce qu'on retrouve, c'est que les jeux de tirage sont... quel que soit l'indicateur qu'on prend, les jeux de tirage sont les plus bénéfiques, disons, en tout cas les moins problématiques. Ce sont ceux qui apportent le plus de bénéfices rapportés à peu de joueurs problématiques ou excessifs. Et puis, la gamme de jeux qui semble poser le plus de problèmes, ce seraient les paris sportifs. Donc voilà, là on est dans une approche un peu intermédiaire. On n'a pas encore vraiment atteint l'objectif qui était de mesurer des coûts et des bénéfices, mais on a une sorte de première, on propose un premier indicateur pour faire l'analyse qui nous est demandée. Ensuite, on a essayé d'aller un petit peu plus loin et on s'est appuyé sur... la base ici de la poursuite des travaux, c'est l'approche de l'Australian Productivity Commission, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de 1999, qui proposait une manière de calculer le bien-être négatif des joueurs. Donc dans un premier temps, on a vraiment examiné en détail ce que proposait cette Australian Productivity Commission, et on s'est rendu compte que dans leur méthode, il y avait une petite approximation. Enfin, voilà, il y avait quelque chose qui faisait d'une certaine manière, et d'un point de vue mathématique, on s'est rendu compte que ce n'était pas parfait, qu'on pouvait
améliorer les choses. Et donc, on a publié un premier article qui est en fait une contribution méthodologique, vraiment juste, il n'y a pas d'estimation associée. Simplement, voilà, pour dire qu'on avait constaté cette, c'est pas vraiment une erreur, mais cette approximation dans la méthode proposée par ces auteurs-là, précédents, de 99, et on proposait la bonne formule. Alors, pour que vous compreniez un peu de quoi il s'agit, je vais essayer de faire compréhensible. De manière générale, si on veut mesurer le bien-être associé à la consommation d'un bien, je parle d'un bien normal, de sandwich que vous allez manger à midi, par exemple, la façon dont procèdent les économistes, c'est de calculer sur ma figure là l'aire du triangle RCS. Alors, à quoi ça correspond concrètement? Le Q, c'est la quantité que vous allez consommer, P, c'est le prix. Et ce qu'on suppose, c'est que la droite D, c'est la droite de demande, et c'est combien vous êtes prêt à payer au maximum pour le bien. P, étoile, c'est le prix que vous payez effectivement. Et donc, tout ce qui se situe entre la droite D et la droite P, c'est la différence entre ce que vous étiez prêt à payer au maximum pour le bien et ce que vous avez payé effectivement. Et donc, tout ça, c'est du bien-être, c'est du bien-être positif. Vous étiez prêt à payer 15 euros pour le sandwich, il coûte que 7 euros. Donc la différence entre 15 et 7, c'est du bien-être en euros, et c'est la manière dont les économistes calculent le bien-être associé à la consommation d'un bien. Okay, donc ça, c'est la version sans addiction, sans pour un bien classique. Et donc, ce que propose l'Australian Productivity Commission, et qu'on a repris en le modifiant un petit peu, c'est d'adapter cette mesure à une situation d'addiction, et notamment donc, de jeu pathologique ou addictif, où les gens joueraient plus que ce qui est bon pour eux. Et ça va passer par le calcul de deux aires. Une, donc le triangle G, qui correspond exactement au même triangle que sur ma figure précédente, c'est du bien-être positif. C'est mes premiers euros dépensés en jeu, ça m'apporte un bien-être positif. Comme si c'était un bien normal. Et donc le problème, c'est que je vais dépasser mon seuil, le seuil qui correspond à ce qui est le mieux pour moi, et je vais continuer à dépenser en jeu au-delà de ce qui m'apporte du bien-être positif. Donc je vais aller jusqu'à QA étoile, et donc toute la partie entre le QR étoile et le QA étoile, on va considérer que ça m'apporte un bien-être négatif, une perte de bien-être. D'accord. Et donc finalement, le bien-être du joueur problématique ou pathologique, on va le calculer en faisant G-L. D'accord. La partie G, c'est du bien-être positif, et la partie L, c'est du bien-être négatif. Donc si la partie L est plus grande que la partie G, il est possible qu'au total, ça me fasse une perte de bien-être. L'inverse est possible, hein, G peut être plus grand que L aussi, tout dépend des situations. Et donc pour mesurer ces surfaces-là, on a besoin essentiellement d'une chose qui est la mesure des dépenses, la quantité de dépenses, et puis savoir si le joueur est classé comme problématique ou pas, donc avoir son classement sur le score de l'échelle d'addiction qu'on utilise pour le jeu. Avec ces deux informations-là, on s'en sort à peu près, on peut calculer les surfaces. Et donc voilà, on a fait ces calculs-là. Alors, ce que je vous présente ça en avant-première, puisqu'il n'est pas publié, je viens de le resoumettre. On a une demande de révision à l'European Journal of Health Economics. Donc, c'est un travail qui a essentiellement réalisé Maxence Mira, que j'avais recruté en postdoc avec mon troisième contrat. Et puis Vincent Héroukmanov qui travaillait à l'Observatoire des Jeux. Donc maintenant l'Observatoire des Jeux n'existe plus, mais il a été incorporé, disons, à l'OFDT. Donc Vincent travaille à l'OFDT, c'est lui qui nous a aidés pour l'accès aux données et le traitement des données du baromètre santé. Et donc à partir de toutes ces données-là, des données du baromètre santé et puis des données qu'on a recueilli par ailleurs, on a fait ce calcul. Alors de surplus dans la première colonne, surplus des consommateurs, donc c'est exactement ce que je viens de vous indiquer avec les triangles. On a calculé G et L et on a fait la différence entre les deux. Donc dans certains cas c'est négatif, dans certains cas c'est positif.
Surplus du producteur, donc c'est le produit le profit, disons, pour simplifier. Alors on tient compte aussi des taxes, peut-être ça n'apparaît pas là parce que ça ne change pas selon les scénarios, mais on tient compte aussi des taxes. Et puis donc finalement, ce qui nous était demandé dans la commande initiale, c'était la dernière colonne, le social surplus, le surplus social, c'est-à-dire le bien-être social tiré de chaque gamme de jeu. Et donc, alors, je vais pas passer en revue tout le tableau. J'ai mis en rouge ce qui me semblait important. Ce qu'on trouve, donc on a plusieurs scénarios parce qu'on est obligé de faire des hypothèses sur certains paramètres. Et donc voilà, pour être sûr que nos résultats ne sont pas trop influencés par ces choix sur certains paramètres, on a fait un scénario optimiste, un scénario pessimiste et optimiste. Et donc, ce qu'on obtient, c'est que pour les jeux de tirage et de grattage, Draw Lotteries et Scratch Cards, dans les deux premières lignes, quelles que soient les hypothèses qu'on fait, même si même dans le scénario le plus optimiste possible ou le plus pessimiste possible, on a toujours une valeur de surplus social positive. Donc ce sont des jeux qui, d'après nos calculs, apportent un bien-être à la société. Les gens retirent plus de bien-être que de coûts en jouant à ces jeux-là. Alors ça s'explique par le fait qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à ces jeux-là, plus qu'aux autres, et que la part de joueurs problématiques est relativement faible. Et puis à l'inverse, on a deux autres types de jeux qui nous donnent le résultat complètement inverse, quelles que soient les hypothèses qu'on fait, quelles que soient les valeurs des paramètres qu'on utilise, systématiquement on a des valeurs négatives, on a un surplus négatif qui apparaît. Et donc c'est le cas pour les paris sportifs et pour le poker. Ici, on ne distingue pas en ligne ou pas en ligne. C'est tout confondu. Voilà, donc c'est nos deux résultats. Si on doit faire un classement dans les gammes de jeux, c'est un peu les deux résultats extrêmes. Pour les autres gammes de jeux, on a des résultats intermédiaires en fait, selon les paramètres qu'on choisit, selon les valeurs qu'on attribue aux paramètres. Parfois, c'est positif, parfois, c'est négatif. Donc les résultats sont un peu moins robustes de ce point de vue-là. Pour les machines à sous, par exemple, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit un jeu plutôt classé, pas très bien classé, qui apporte plutôt un bien-être négatif. On a probablement la chance en France, enfin, en tout cas c'est ce que disent souvent les études étrangères, anglo-saxonnes, notamment l'étude australienne. Un de ses résultats principaux, c'est que les machines à sous sont vraiment un gros problème en Australie. Et c'est vrai dans d'autres pays. Et le fait que notre résultat soit pas si négatif que ça chez nous, c'est probablement que les machines à sous sont limitées au casino. Ce qui est très différent, il y a plein d'autres pays, en Australie en particulier, où les machines à sous sont disponibles dans plein d'autres lieux que des casinos. Donc le fait que l'offre soit plus facilement disponible induit probablement ce résultat. Alors, parmi les limites de ce travail et les prolongements possibles, une des limites principales, je pense, tient au fait qu'on s'appuie sur des données de déclaration de dépenses. Donc, voilà, nous, il nous faut des données de dépenses pour faire nos calculs. Et elles nous viennent du baromètre santé, qui sont des données déclaratives des joueurs. Et il y a pas mal d'études qui montrent que ces déclarations... Alors, il faut que les gens se rappellent combien ils ont dépensé et qu'ils soient honnêtes dans leurs déclarations. Et voilà, il y a pas mal de littérature qui montre que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc ça peut être un problème pour nos estimations. Une autre limite importante, c'est qu'on a une valeur positive ou négative, mais le plus intéressant, c'est peut-être la partie négative. Et voilà, on dit qu'il y a une perte de bien-être, mais on ne sait pas expliquer ce qu'il y a derrière. On ne sait pas dire quel est le type de dommage et quel est le montant. Idéalement, et ça pourrait faire l'objet de travaux à poursuivre, on aimerait bien avoir une liste des dommages, une liste précise, dire les joueurs problématiques, le principal dommage, c'est qu'ils vont perdre leur emploi, par exemple, ou qu'ils vont faire une dépression. Donc on aimerait bien avoir cette liste-là, et puis savoir quel est le montant à mettre en face en euros. Bon, c'est très compliqué parce que déjà lister tous les dommages possibles, bon, c'est faisable, mais ça peut aussi se discuter. Le principal problème ensuite, c'est qu'il faut estimer l'effet causal du jeu sur ces dommages-là.
si je parlais du chômage, on a vu dans les résultats de l'enquête précédente qu'il y avait beaucoup de parieurs qui étaient au chômage. Mais la question, c'est est-ce qu'ils parient parce qu'ils sont au chômage ou est-ce qu'ils sont au chômage parce qu'ils parient? Il peut y avoir un lien de causal dans les deux sens. Donc, si on veut faire une estimation correcte, nous, il faut qu'on estime l'effet du jeu sur le fait d'être au chômage, dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. Et ensuite, il faut convertir ces dommages en valeur monétaire. Donc, il y a beaucoup d'étapes, et c'est ce qui fait que, voilà, pour l'instant, on n'a pas suivi cette approche-là, mais on a conscience que ce serait plus riche que ce qu'on a fait. Et puis, dernière limite, nos résultats ne disent pas vraiment ce qu'il faudrait faire en termes de politique publique. Notamment, voilà, on a identifié des gammes de jeux qui semblent problématiques, mais évidemment, la recommandation, ce n'est pas de les interdire. Ce serait, puisque ça ne réglerait absolument pas le problème, ça le déplacerait juste en créant un marché illégal pour ces jeux-là. Donc, ce qui serait intéressant de savoir, et là aussi c'est une autre piste de recherche possible, ce serait d'étudier l'effet d'une réforme d'une régulation donnée sur ces montants. Si on envisage de modifier la réglementation dans tel secteur de telle manière, est-ce qu'on peut estimer comment nos montants de bien-être vont varier ? Alors, le deuxième axe de recherche qui est lié essentiellement au troisième contrat, au dernier, c'est les enjeux de l'emploi. Alors, il en a été un peu question aussi dans la présentation précédente. Les opérateurs de jeux utilisent souvent cet argument pour essayer d'influencer la régulation dans un sens qui leur convient, en disant, ben, nous, on est pourvoyeur de beaucoup d'emplois. Je prends l'exemple ici du PMU, mais on peut en trouver pour les casinos, la Française des Jeux et autres. Alors, par exemple, donc le PDG du PMU en 2017 disait les paris hippiques financent la filière équine et ça représente 180 000 emplois qui seraient menacés si jamais on mettait en place la dérégulation que vous envisagez. Alors, c'est un peu problématique parce que ce chiffre-là, on ne sait pas bien d'où il sort. Le PMU ne fournit aucune méthodologie pour cette estimation. D'ailleurs, la Cour des comptes a dit que c'était une estimation un peu fantaisiste parce que ça inclut les boucheries équines et tout un tas de choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec le pari hippique. Et puis, selon les opérateurs, ils emploient des termes assez flous, des fois emploi indirect, des fois emploi créé, des fois emploi pérennisé, etc. Donc, on ne sait pas bien ce qu'ils veulent dire, on ne sait pas bien à quoi ça correspond. Donc, ce qu'on nous a demandé, et ce qui me semblait intéressant, c'était de fournir un contrepoint neutre. Voilà, on n'a pas d'intérêt dans le secteur des jeux. Et en fournissant une méthode, en expliquant d'où viennent les chiffres. Donc pour ça, on s'est appuyé là aussi sur des choses existantes. Et en l'occurrence, quelque chose qui avait été proposé par la Banque mondiale dans le secteur du tabac. Parce qu'il y avait le même type d'argument qui était employé par les cigarettiers, alors pas dans les pays développés, parce qu'il y a peu de production de tabac dans les pays développés, mais dans certains pays en développement, les cigarettiers utilisaient cet argument de dire ben, ne réglementez pas trop le secteur, parce que c'est pourvoyeur d'emplois, et donc c'est bon pour la croissance du pays. Et donc la Banque mondiale a proposé une méthode un peu pour évaluer ce nombre d'emplois. On a eu le choix entre deux grandes méthodes en fait, qui se proposaient, soit un modèle dit entrée-sortie, soit un modèle d'équilibre général. Voilà, bon, je vais vous passer les détails. Simplement, il n'y a pas vraiment de bonne. Enfin, entre les deux sont possibles. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. On s'est tourné plutôt vers les modèles dits entrée-sortie parce qu'ils sont plus faciles d'utilisation. Donc, comme nous, on était un peu nouveau dans cette méthodologie, c'était un meilleur choix probablement, et puis plus lisible parce que les modèles d'équipe générale, ils sont plus complets, mais ils fonctionnent un peu comme une sorte de boîte noire, et on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, au moins, on savait, on était à peu près au clair sur ce qu'on faisait, et ça nous semblait une bonne méthode. Et donc on a publié un article à ce sujet dans la revue d'économie politique qui est sorti en juin 2022, dans lequel alors on répond plus exactement à deux questions principales. Estimer les effectifs, donc quel est le nombre d'emplois dans le secteur des jeux, ce qui peut sembler une question simple, mais qui n'est finalement pas tant que ça. Et puis quel est l'effet de ces effectifs si la dépense en jeu est réallouée vers d'autres secteurs. Donc là aussi, ça permet de... si je reprends le...
la citation du PDG du PMU, il nous dit notre secteur, c'est 180 000 emplois, et si vous dérégulez, on va perdre ces 180 000 emplois. On a l'impression que c'est ce qu'il sous-entend. Or, même si les gens ne dépensent plus dans les jeux, ils vont dépenser dans autre chose. Si le secteur des jeux n'existe plus ou est interdit, il va y avoir une réallocation. Les emplois ne vont pas tous disparaître. Donc c'est ça qu'on a essayé de mesurer. Alors pour les effectifs, on obtient les résultats suivants. Les emplois directs, c'est très simple. Hein, c'est l'INSEE, dans la comptabilité nationale, il y a une catégorie, un secteur jeux de hasard et d'argent. Donc là, il suffit d'aller voir. C'est 20 170 pour le secteur des jeux, c'est ça. Et on a estimé, grâce à notre méthodologie entrée-sortie, on peut estimer les emplois indirects. Donc en gros, quelles sont les dépenses dans d'autres secteurs qui contribuent aussi à faire des emplois dans le secteur des jeux. Et là, on a une estimation de 26 115. Donc vous voyez qu'on est dans un total de 46 000, ce qui est très loin des 180 000 juste pour le PMU, alors que nous, c'est tout le secteur. Donc, il y a quand même une différence d'échelle. On ne dit pas que nos chiffres sont indiscutables, mais... les 180 000 du PMU nous semblent un peu exagérés. Et donc la deuxième question, c'était s'il y a une réallocation de la dépense du secteur des jeux vers un autre secteur, qu'est-ce qui se passe ? Et donc là, si on prend l'hypothèse la plus extrême où le secteur des jeux disparaîtrait et où il y aurait une réallocation de l'ensemble de la dépense du secteur des jeux vers d'autres secteurs, ce qu'on trouve, c'est qu'il y aurait une augmentation du nombre d'emplois de 2658. D'accord ? Donc ça s'explique simplement par le fait que la dépense de consommation dans les jeux génère moins d'emplois dans l'économie que la dépense de consommation dans les autres secteurs domestiques. Le secteur des jeux n'est pas particulièrement pourvoyeur d'emplois. En moyenne, les autres secteurs de l'économie sont plus pourvoyeurs d'emplois, donc s'il y avait une réallocation, ça créerait des emplois et ça n'en ferait pas disparaître. Donc voilà pour les grands résultats de nos recherches. Et pour finir, quelques réflexions. J'ai listé trois points sur ce genre de collaboration avec des financeurs, en l'occurrence disons l'Observatoire des Jeux essentiellement pour ce qui m'a concerné. Alors, en quoi est-ce que c'est intéressant ? Je pense qu'on a vraiment les deux partenaires ont des choses à gagner. Du point de vue, alors j'ai mis Assemblée nationale, mais c'est les pouvoirs publics, enfin les financeurs de manière générale, j'ai pas trouvé de dessin plus approprié. Il y a répondre à un besoin identifié par les pouvoirs publics. En l'occurrence, l'Observatoire des Jeux semblait avoir identifié un besoin pour conduire la politique des jeux. Voilà, ils avaient besoin que quelqu'un réponde à leurs questions, ils ne savaient pas y répondre eux-mêmes. Et je vais préciser, attention aux écarts potentiels entre la demande qui est faite par ces financeurs, hein, les pouvoirs publics ou privés d'ailleurs, et ce qu'on sait faire, ce qu'il est possible de faire. Il y a parfois des attentes un peu démesurées par rapport à ce qu'il est possible de faire, mais ça se règle en discutant avec eux. Mais je pense que c'est important d'être, au moment de s'engager, d'être conscient de ce qu'on sait faire et de est-ce que ça correspond bien à ce qui est attendu. Du point de vue du chercheur, moi j'ai trouvé ça très enrichissant de pouvoir avoir une approche vraiment appliquée de choses, la notion de surplus par exemple, dont je vous ai parlé, on l'enseigne en cours, on la lit dans des articles théoriques, mais j'ai trouvé, enfin moi ça m'a beaucoup apporté de me poser la question, de vraiment me dire, ok, qu'est-ce que j'en fais concrètement si je dois l'appliquer au secteur des jeux, comment est-ce que je m'en sors ? Donc voilà, je pense qu'on a gagné en tant que chercheur à ce genre d'application concrète. Ça m'a permis de recruter un postdoctorat, au moins un postdoctorant pour le troisième contrat. Voilà, il y a eu dans l'exemple précédent, il y a eu des recrutements de stagiaires. On peut envisager des doctorants. Enfin voilà, tout ça permet de faire vivre la recherche et c'est très important. Ça peut permettre, les liens avec les financeurs peuvent parfois permettre d'avoir accès à des données. Enfin, nous en l'occurrence, voilà, j'aurais probablement pu les avoir autrement, mais ça a facilité et ça m'a permis de mieux analyser certaines données, le baromètre santé notamment. Et pourquoi pas identifier de nouvelles problématiques, on se pose des nouvelles questions quand on échange avec des spécialistes du secteur.
Un point qui me semble important, c'est que les résultats que je vous ai présentés sont des publications. Alors, une qui n'est pas encore tout à fait à son terme, mais qui devrait y arriver assez rapidement. Et dans mon exemple, je pense que ça a été vraiment très important. Pour les premiers contrats, on a le mode de diffusion des résultats, c'était des rapports. J'ai rédigé des rapports que j'ai transmis aux commanditaires. Et c'était, je pense, le bon format pour les travaux préliminaires, parce que l'idée était essentiellement de dresser des états des lieux et de dire comment est-ce qu'on pourrait progresser. Donc il n'y avait pas lieu d'en faire une publication. Mais pour les résultats finaux, vous voyez qu'on a vraiment on arrive à des chiffres assez précis qui sont censés, en tout cas, guider l'action publique. Et je pense que c'est très important qu'il y ait un processus de validation par les pairs pour ces éléments-là. En tout cas, nous, le processus de publication a été très enrichissant pour nous, parce que les rapports des rapporteurs des revues ont été très constructifs, et on a vraiment amélioré les articles grâce à ce processus de publication. Notamment, on nous a conseillé d'utiliser des données plus précises. On ne savait pas qu'on pouvait y avoir accès, parce que l'INSEE ne les diffuse pas de façon large, publique, mais en contactant l'INSEE, en leur disant que c'était dans le cadre d'une recherche, on a pu avoir accès à des données plus précises. Ça, voilà, on ne le savait pas, et on n'aurait pas pu le savoir si on n'avait pas eu ce rapport-là d'un rapporteur. Voilà. Et puis le dernier point, comme ça après je me tais, la question de la source du financement se pose toujours la question de si on a affaire à des financements privés. J'ai eu le cas avec la Française des Jeux. Se pose toujours la question de est-ce que vos résultats sont neutres, est-ce que vos résultats vont pas dans le sens du financeur. Et c'est une question particulièrement sensible dans le champ des addictions, notamment parce que l'industrie du tabac a beaucoup financé d'études qui visaient à nier le fait que le tabac pouvait causer des maladies. On a le même type de questions avec l'alcool ou les jeux. Hein, voilà. Donc, préférablement, si l'argent peut passer par un canal public, ça permet de lever une partie de ce type de soupçons. Et voilà, je citais les Uber Files une ouverture qui n'a plus rien à voir avec notre sujet, mais où on a ce même problème-là d'économistes qui ont été financés par une entreprise privée. En l'occurrence, je ne les connais pas et je ne suis pas allé voir leurs travaux, mais le soupçon du fait que leurs résultats soient orientés en faveur du financeur arrive immédiatement. Voilà, je me tais. Je reprends le micro parce que j'aurais dû. Est-ce qu'il y a des questions ? Et dans ce cas, je vais faire passer le micro. Oui ? Merci pour votre présentation. J'ai trouvé ça très intéressant de voir que ce que je ne savais pas, c'est qu'effectivement, on pouvait argumenter sur le fait que les jeux étaient pourvoyeurs d'emplois, j'avoue. Régulièrement, toujours en tant que néophyte, ce qu'on entend plutôt, c'est que les jeux rapportent des taxes, et donc du coup que en fait souvent le premier argument qui est audible de la part du grand public, c'est que les jeux sont pourvoyeurs de taxes, donc pour les États, et ce qui peut conduire d'ailleurs certains États, on l'a vu comme au Japon, à parfois avoir des politiques qui, de notre point de vue, assez surprenantes pour inciter à certaines consommations qui peuvent rapporter de l'argent au pouvoir public. Je voulais savoir si l'ensemble des données sur les emplois, enfin et les taxes pouvaient être aussi différenciées par type de jeu, nature de jeu ou pas. Alors sur les taxes, oui, sans problème, et on les a dans l'article. Sur les emplois, alors avec notre méthodologie, en tout cas non, parce que c'est les données de la comptabilité nationale, et le niveau le plus fin, c'est le secteur des jeux, dans son ensemble. Donc
les données ne sont pas disponibles par gamme de jeu. Bonjour, du coup, moi je voulais poser une question plus sur les données, sur les accès aux données en fait. C'est comme, enfin, déjà est-ce que n'importe type, enfin, est-ce que nous en tant que chercheurs on peut y avoir accès facilement? Et est-ce que les données par exemple de l'EFDT ou de avant l'ODJ, elles sont disponibles à des niveaux de localisation assez fins? Parce que là, l'ODJ, ils ont produit des cartographies, mais ça s'arrête au département. Et c'est des échelles trop petites, enfin, des fois ça peut être intéressant. Au niveau de la commune ou des communes, voire même éventuellement, je pense que là c'est plus compliqué du point de vente directement. Et est-ce que vous savez si ça c'est. Enfin vous avez pu y avoir accès ou pas du tout Alors des données localisées, moi j'en ai pas. Je ne sais pas exactement ce qui existe. Alors après, comme voilà, ce que je disais, c'est que. Ce genre d'expérience permet de faciliter l'accès aux données parce que, voilà, notamment, j'ai travaillé avec Vincent Hérokmanov qui travaille à l'OFDT précisément sur les jeux. Donc, si je lui envoie un mail, il va me dire si ça existe ou pas. Est-ce que c'est disponible pour le grand public? Enfin, les données localisées, je pense pas que ça existe. Mais si elles existent, lui doit le savoir et doit pouvoir me le dire. Et de manière plus générale, par exemple, les accès aux données du baromètre santé, en tant que chercheur, on peut faire des demandes d'accès qui ne sont pas très compliquées, mais il faut, voilà, il faut faire une petite démarche, remplir un formulaire, je pense. Il y a un petit coup pour y avoir accès, ce n'est pas juste en cliquant sur Internet, mais ça se fait assez facilement. Oui, j'ai fait aussi. Y avait une partie aussi qui consistait à. Enfin, l'objectif était d'accéder à des données de santé. Là, c'est plus compliqué. Le coût est plus important. Il faut déposer un projet, passer devant une commission qui donne son avis et qui peut donner son accord. J'étais allé jusqu'au bout du processus. Et puis, comme l'ODJ a disparu, l'accord CNIL était au nom de l'ODJ. Qui est un institut qui a disparu. Il aurait fallu le basculer à l'OFDT, ils n'ont pas voulu. Donc pour l'instant, j'en suis resté là, ça m'a un peu découragé. J'en avais deux, en fait. D'une part, est-ce que ça fonctionnait par AAP? C'était des appels à projets? Comment est-ce que vous avez été mise en contact avec alors, ce qui était à l'époque donc l'Observatoire des Jeux? Parce qu'ils l'ont fait tout de suite. Apparemment, ça a été lancé. Et hop, ils ont mis sur le marché des AAP. Alors oui, je ne sais plus exactement quelle était la forme, parce que c'était rattaché au ministère des Finances, l'ODJ. Donc, ils avaient des procédures... qu'appliquait le ministère des Finances habituellement, mais c'était un marché, c'était mis sur, il y avait un marché. Ouais. Voilà. Après, moi, j'étais en contact avec eux déjà avant, grâce à l'expertise collective. Mm-hmm. Donc, on a eu un contact un peu direct, me disant que ça allait, qu'il allait avoir un appel et que si j'avais envie de répondre, ils seraient contents d'avoir ma réponse. Mm-hmm. Après, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de, je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de réponses. D'accord. À vrai dire. Et, ouais. Pour le dernier contrat non plus, je pense que c'était la même procédure, enfin quelque chose de similaire. Ils avaient assez peu de candidats. Mm-hmm. Et même chose en termes d'exigence de retour, qu'est-ce qu'ils demandaient? Alors, je crois que c'était moi, dans la réponse à l'appel, qui avait défini une fréquence de rapport, enfin des échanges, et soit par réunion, soit par rapport écrit. Ils n'ont pas eu d'exigence particulière. En tout cas, il n'y avait pas d'exigence de publication. Mm-hmm. Ça, c'était plutôt de notre part à nous, avec Maxence aussi, qui, en tant que postdoc, avait besoin de publication aussi. Moi, je pensais que dans le processus de recherche, pour aller vraiment au bout et avoir quelque chose de vraiment finalisé, solide, fiable, c'était important d'aller jusque-là, mais mm-hmm. il n'avait pas demandé. D'accord.
Parce que c'est, on se pose toujours la question finalement, on commandite des travaux et qu'est-ce qu'ils en font au bout du compte, hein. Est-ce que on aimerait bien savoir que c'est utile, hein, quand on est chercheur et avoir effectivement des retours. Et puis j'avais une autre question, c'était sur l'interdisciplinarité finalement, parce qu'au début, si j'ai bien compris, il y avait une équipe qui était assez large et sur certaines questions que vous posiez. Bon, évidemment, vous travaillez sur l'économie, mais est-ce que vous avez envisagé, est-ce que c'était possible justement de pouvoir travailler avec des groupes d'échange ou avec des échanges de données, avec des réunions communes, enfin, comment ça s'est passé? Parce que par la suite, alors j'ai gardé des contacts avec certains membres de l'expertise collective d'autres disciplines. Après, on a participé à des colloques ou des journées d'études. Donc il y a eu des choses faites de ce point de vue-là. Après, des collaborations vraiment interdisciplinaires, il n'y en a pas eu. Je pense que ce n'est pas très facile à mettre en place. Enfin, ce n'est pas forcément facile pour moi de travailler avec une historienne. Ou, C'est tout l'intérêt de la mèche. C'est tout le but de la mèche. Mais là, ça me paraissait intéressant. Effectivement, il y avait un projet qui était vraiment interdisciplinaire à l'origine. Et on voit justement que ça peut être difficile de travailler ensemble. Comme quand on a encore du travail et des choses à promouvoir à la mèche. Oui. Alors, après, tout dépend de ce qu'on appelle travailler ensemble. Si c'est parce que ça peut être participer à un ouvrage collectif avec plusieurs points de vue, par exemple. Ça c'est tout à fait possible. Et enfin, j'ai déjà participé à ce genre d'initiative. Après, vraiment travailler sur un même article, par exemple, quelqu'un d'une autre discipline, je trouve ça compliqué. Et puis que les données des uns puissent servir aux autres. Enfin voilà, c'est ça aussi qui serait intéressant. Oui, sans doute.